d'abord Mandy Milo, ça fait une semaine qu'on la teste sur l'accueil de jour. Il y a beaucoup de fonctionnalités, ne serait-ce que la musique, des jeux. Plus de 2000 chansons. C'est ça. Donc un répertoire très vaste qui permet à chacun d'y trouver un peu son compte. Qu'on passe voilà, de la musique au rock, au tube un peu plus moderne. Intéressant. Après, il y a les jeux, des puzzles, des images cachées. Il faut qu'ils appuient sur l'écran. Une image apparaît petit à petit au fur et à mesure qu'ils appuient sur les pièces du puzzle. Sur les touches. Il y a les divers sons. C'est ça. Trouver les sons du quotidien, les sons des animaux. Ils peuvent trouver les sons d'instruments de musique. Et puis, elle est vraiment adaptée parce que autant ils peuvent appuyer sur les touches comme on voit sur le clavier, et autant elle est tactile, donc ils peuvent aussi appuyer sur l'écran et c'est vrai que... Les boutons et les couleurs du coup. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? Une arme? Oui. Oui. Voyons, appuie encore une fois. Alors Camille, qu'est-ce que tu préfères sur la borne musicale? Les jeux, je préfère. Le jeu avec les cris des animaux. D'accord. Et après, tu écoutes aussi de la musique? Oui. Alors c'est quoi la musique que tu écoutes? Qu'est-ce que tu préfères?